Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je veux raconter une histoire de Lila, une autre histoire de Lila. C'est perdu, perdu. Alors cette histoire de Omar et son ami Elio. Perdu. Mardi, la classe va dans un château fort. Un château fort. Alors Omar et Elio sont dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Il s'arrête devant une armure et dit: Omar, tu as vu l'armure? Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Elio cherche Omar dans le château fort. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Lila. Cette fois, c'est perdu. Alors, les deux personnages que vous voyez sur l'image, c'est Elio et son ami Omar. Où sont-ils d'après vous? Que font-ils? Qu'est-ce qu'on... Oui, est-ce que vous avez une idée? Alors, essayez d'écouter pour savoir. Mardi, la classe va dans un château fort. Alors, Elio et Omar sont dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Il s'arrête devant une armure, il dit: Omar, tu as vu l'armure? Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Elio cherche Omar dans le château. Omar, ses chaussures sonnent sur les dalles du sol. Bizarre, il s'arrête. Un drôle de tap, tap, tap arrive devant lui. Un cheval arrive, se dit Elio. Un chat. Elio n'est pas rassuré. Il murmure. Oh, Omar arrive près de lui. Elio dit: Ah, Omar, je te cherche dans tout le château. Je suis perdu. Moi aussi, je te cherche. Clame Omar, je suis comme toi, perdu. Alors, encore une fois, perdu, ça veut dire les deux enfants sont perdus dans un château fort. Alors, chacun cherche son ami. Alors, c'est mardi. La classe va dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Alors, Elio, qu'est-ce qu'il adore? Il adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Il s'arrête devant une armure, il dit. Alors, voici une armure. C'est ce qu'on appelle une armure. Voilà une armure. Omar, tu as vu l'armure? Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Elio cherche Omar dans le château. Omar, où es-tu? Omar. Ses chaussures sonnent sur les dalles du sol. Bizarre, il s'arrête. Un drôle de tap, tap, tap arrive devant lui. Un cheval
arrive, se dit Elio, un chat. Elio n'est pas rassuré. Il murmure. Oh! Omar arrive près de lui. Elio dit. Ah, Omar, je te cherche dans tout le château. Je suis perdu. Moi aussi, je te cherche. Clame Omar, je suis comme toi, perdu. Alors les enfants, je vous propose bien sûr des questions de compréhension. Il s'agit ici de se perdre. Première question. Que font Elio et Omar mardi? Que font Elio et Omar mardi? Devant quoi s'est arrêté Elio? Devant quoi s'est arrêté Elio? Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré? Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré? Et toi, t'es-tu déjà perdu ou retrouvé seul? Est-ce que tu peux nous raconter? Je répète encore une fois les questions. Que font Elio et Omar mardi? Devant quoi s'est arrêté Elio? Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré? T'es-tu déjà perdu ou retrouvé seul? Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà, je vous laisse quelques moments réfléchir à ces questions. Après, je vais vous donner des réponses. Bien sûr, c'est une sorte de correction. Alors, cherchez maintenant les réponses. Que font Elio et Omar mardi? Devant quoi s'est arrêté Elio? Pourquoi Elio n'était pas rassuré? T'es-tu déjà perdu ou retrouvé seul? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors les enfants, est-ce que vous avez bien répondu aux questions? Que font Elio et Omar mardi? Devant quoi s'est arrêté Elio? Et pourquoi Elio n'est-il pas rassuré? Alors que font Elio et Omar mardi? Mardi, la classe va dans un château fort. Alors Elio et Omar sont dans un château fort ce mardi, car toute la classe va dans un château fort. Devant quoi s'est arrêté Elio? Elio adore les cheminées, les murs épais, les petites fenêtres. Oui, il s'arrête devant une armure. Voilà, il s'arrête devant une armure. Alors il s'est arrêté devant une armure. Pourquoi Elio n'est-il pas rassuré? Alors, voici donc la réponse. Elio n'est pas rassuré. Pourquoi? Parce que un drôle de tap, tap, tap arrive devant lui. Alors, est-ce que c'est un cheval ou un chat? Heureusement, Omar arrive près de lui. Omar semble perdu. Elio aussi semble perdu. Alors toi, t'étais déjà perdu ou retrouvé seul? Est-ce que tu peux me raconter? Vas-y. Maintenant, la lecture. Perdu. Mardi, la classe va dans un château fort. Elio adore les cheminées, les murs épais et les petites fenêtres. Il s'arrête devant une armure. Il dit, voici une armure. Omar, tu as vu l'armure? Elle est superbe. Mais Omar reste muet. Normal, Omar a disparu. Elio cherche Omar dans le château. Omar, Omar, ses chaussures sonnent sur les dalles du sol. Bizarre, il s'arrête. Un drôle de tap-tap, tap-tap-tap, arrive devant lui. Un cheval arrive, se dit Elio. Un chat. Elio n'est pas rassuré. Il murmure. Oh, Omar arrive près de lui. Elio dit. Ah, Omar,
Je te cherche dans tout le château. Je suis perdu. Moi aussi, je te cherche. Clame Omar. Je suis comme toi. Perdu. Alors, vous allez tout simplement recommencer la lecture plusieurs fois. Alors, la prochaine histoire sera La toupie et le parasol. La toupie et le parasol. Merci. Alors, c'est fini maintenant l'histoire de Lila. À très bientôt.